Bonjour, je m'appelle Jacqueline Lebel. Tout de chemin de la terre de Lincoln, où les Blackhawks règlent la glace et la rivière coulait vers l'arrière. Je suis votre mademoiselle Illinois. Chaque jour, je mange le petit déjeuner seul avant de sortir de l'école. Pour cette repas, je mange une banane et un œuf quotidiennement. De temps en temps, je mange du pain avec du beurre de cacahuète ou le Nutella. Dans la semaine, je mange mon déjeuner à l'école dans la cantine, mais j'apporte mon déjeuner au moins de 4 jours par semaine. J'utilise le Tupperware et le sac pour prendre des aliments. Ces aliments se sont variés tous les jours. Mes favoris sont des hummus avec des pommes et carottes, cornichons à l'anthe et du pain avec le fromage. Après l'école, je mange une boîte de raisins secs avant mon pratique de courir. Si j'oublie mon boîte, je vais grignoter un paquet de collations de fruits. Pour maintenir ma santé et l'équilibre du corps propre, je bois 4 litres d'eau chaque jour. 3 litres avant mon train de courir et 1 litre après. Nous utilisons de plus des aliments biologiques et moins de repas surgelés ou pré-préparés. Aussi, je suis un régime balancé et équilibré. Je combine alimentation saine et l'exercice pour maintenir ma santé. Pour le dîner, mon père cuisine le repas chaque jour. Le type de repas dépend de la préparation et les activités de ma sœur et moi dans ce soir. Typiquement, nous avons le dîner ensemble. Nous mangeons un repas différent chaque jour. Mon père aime cuisiner salade gab et salade du pâte qui s'appelle titalini. Aujourd'hui, il existe plus de problèmes pour l'alimentation dans le monde. Par exemple, il y a de plus de pays qui vivent sur le seuil de pauvreté. Comme la plupart des pays sont démunis, la faim est très répandue. Aussi, le taux d'obésité a augmenté rapidement au cours des 10 dernières années, particulièrement aux États-Unis. Les solutions évidentes ne marchent pas parce que les gens qui ont beaucoup d'argent ne se sentent pas responsables pour nourrir les autres personnes. Néanmoins, il y a un peu de gens qui aident les personnes démunies et sans abri. Mais ces personnes gentilles ne peuvent pas aider tous les gens. Aussi, les pays riches ne peuvent aider les pauvres pays, mais qu'ils ne seraient jamais remboursés pour leur charité, parce que les pays démunis ne peuvent pas. Si les pays riches ne peuvent aider plus, je pense que les solutions actuelles ne marchent pas, car il manque d'innovation. La culture aujourd'hui utilise de plus de technologies quotidiennement. Et je crois que les organisations doivent utiliser tous les médias pour accomplir votre but. Quand je deviens Mademoiselle Amérique, j'espère que d'élargir la sensibilisation de l'organisation Mademoiselle Amérique à l'égard de la nourriture à travers les médias comme Facebook et Twitter. Aussi, je veux recueillir des fonds pour aider à nourrir les enfants à faim en Amérique et le monde.